Je me présente, Maurice Roufange. Je suis vice-président du comité des ostensions. C'est la deuxième fois que je fais les ostensions à Saint-Julien. Je suis aussi en charge de la commission décoration de toute la ville de Saint-Julien où passe le cortège. On ne décore que ça. Le reste, on laisse ça aux gens, au plaisir des habitants de faire décorer leur propre maison. Ça représente quand même beaucoup de travail, sachant que dans le quartier de Saint-Julien, il y a quatre quartiers, quatre portes, qui représente la porte rouge, qui est celle en bas du champ de foi, la porte au Corot, qui est la porte rouge et blanche, qui est la porte symbolique du sang, la porte verte et blanche, qui est en bas de la rue Jean-Jacques Rousseau, qui est la verdure, qui est le vert. Après, nous avons place Julien Petit, le bleu et le blanc, qui représentent la couleur de la Vierge. Au niveau du cimetière, il y a le violet et blanc, qui représente le deuil, donc le cimetière. Et devant la collégiale, toute la place devant la collégiale est multicolore, puisqu'elle représente les quatre quartiers de la ville. Donc là, tout ça représente énormément de fleurs, puisque toutes les villes, tous les arbres sont décorés. En guirlande que nous accrochons dans les rues, en travers des rues, grosso modo, ça représente 60 km de guirlande à faire. Donc les fleurs sont faites uniquement par des bénévoles, par plein de dames. Tous les mardis après-midi, par exemple, à la Persévérance, nous avons 30-40 dames qui viennent tout après-midi fabriquer des fleurs, des guirlandes de fleurs, de toutes les couleurs, en fonction des quartiers qu'on fait.